Salut les filles, donc voilà, vous avez eu la photo, je vous fais la vidéo de mon rangement maquillage. J'espère que ça vous plaira. Soyez indulgente, hein, c'est ma première vidéo. Je sais pas ce que ça va donner et franchement, je vais vous dire, j'ai un peu les pétoches. Donc voilà, comme vous avez vu sur ma photo, ma coiffeuse, donc avec mes premiers rangements sur le dessus, trois tiroirs. Là j'ai deux paniers et dessous je vous montrerai pas particulièrement parce que c'est surtout mes fers à friser, à lisser, tout ça et d'anciennes box que j'avais reçues. Donc dans ce rangement-là, donc en plexi de chez Ikea, je vous remettrai le lien, je l'ai déjà mis sur le groupe Facebook Shoe Makeup. Donc je range ma palette Yves Saint Laurent, donc voilà, que donc Sophie Henno m'a gentiment offert pour mon anniversaire, ma palette chouchou de tous les temps MAC, voilà, donc on voit pas trop les lumières, hein. De toute façon là je fais que le rangement, je vous montrerai plus tard mes produits dans le détail. Donc là j'ai des rouges à lèvres, donc j'ai mes vernis à lèvres Yves Saint Laurent, un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, un Guerlain, Chanel, Clarins, Déquico, un Bourjois. Voilà. Donc là, je range mes rouges à lèvres que je mets le plus souvent, on va dire. Ici, donc j'ai mes deux fonds de teint chouchou. Donc vous avez le Vita Lumière de chez Chanel, donc que j'utilise surtout l'été, et l'Ingrid Peau, voilà, de chez Guerlain, que j'utilise surtout l'hiver. Ensuite, vous avez ma petite collection de MAC. Donc, on vous fera une petite revue sur tout mon rouge à lèvres MAC avec Sophie. Avec des swatchs. Ici, donc sur le côté, vous avez mes bases à paupières, mes anti-cernes, voilà. Ensuite, dans ces compartiments-là, j'ai mes long lasting de chez Kiko, voilà. Avec mon Jumbo NYX blanc. Ici, j'ai mes crayons de couleur pour les yeux. Ici, tous mes crayons noirs pour les yeux. Mes trois eyeliners noirs que je me sers le plus souvent. Ici, mes crayons à lèvres. Au-dessus, donc, j'ai un eyeliner en pot. Voilà. De chez Maybelline. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ma Naked. Je vais vous la montrer. Ma chouchou. Donc, je m'en sers pratiquement tous les jours. Elle est là, à portée de main. Et ça se relève, je peux mettre des choses dessous. Donc, je sais pas si vous voyez. Mais je n'ai rien parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Juste à côté de mon rangement Ikea, j'ai tous mes pinceaux pour les yeux. Donc dans un pot en verre que j'ai acheté en Espagne. Donc dans un bazar, hein, vous pouvez en trouver partout. Donc voilà, mes pinceaux pour les yeux. Sophie vous a fait un article qu'elle a mis sur le groupe. Pour vous dire à quoi servait quel pinceau. Voilà. Donc je range mes palettes dans un. Alors en fait, c'est, vous savez, un truc pour ranger les lettres, les papiers. Donc que j'ai trouvé chez Cultura. Il y avait la corbeille avec des pots pour les stylos, tout ça. Donc là, je range mes palettes. Donc ma palette MAC. Hein. Presque vide encore pour le moment.
ma palette Smoked d'Urban Decay. Et une petite palette ELF. On ne sait pas vraiment, mais bon, elle se range bien là. Donc voilà. À côté de mes palettes, j'ai donc mes pinceaux qui me servent pour mon teint. Donc avec mon éponge, mon pinceau pour compact, mon pinceau blush, voilà, de chez Real Technique. Donc je vous mettrai le lien d'un site où on peut les trouver. Ils sont pas très chers et franchement, ils sont top. Pour finir avec le dessus de ma coiffeuse, donc j'ai mes tiroirs, donc c'en est deux que j'ai superposés. Donc dans le premier, je mets mes fards à paupières. Donc j'ai, je vais me rapprocher, du Kiko, voilà, du Agnès B, encore du Kiko, mais c'est des fards crème. On peut s'en servir aussi d'eyeliner. Et mes illusions d'ombre Chanel que j'adore. Et aussi un pen pot MAC qui est juste sublime. Voilà. En dessous, j'ai donc tout ce qui est blush. Donc j'ai du Sephora, du MAC, du NYX, mon highlighter bourgeois. Et alors là, j'ai deux blushs, donc j'en ai un, c'est un Agnès B, l'autre c'est un bourgeois, mais vous voyez, le packaging a juste explosé. Donc voilà, ils sont un peu en vrac, mais comme je les aime bien, je les garde comme ça. Et de ce côté là, donc j'ai deux fards à paupières Kiko, donc comme ils sont carrés et un peu compliqués à ranger, je préfère les laisser là. Et là j'ai une petite palette spécial sourcil Kiko. Voilà. Dans ce tiroir là, j'ai tout ce qui est gloss, donc du MAC, du NYX, du Kiko, principalement du Clarins. Après j'ai mes baumes à lèvres, donc crème de rose de Dior, Six et labello, un baume labello lip butter vanille et macadamia. Il sent divinement bon et il est top pour les lèvres. Et en dessous, donc j'ai mes mascaras, donc essentiellement du Kiko, un Revlon, un rimmel Lancôme, mon fixateur à sourcils, donc en fait c'est du gel, hein. Ça se présente comme un mascara mais c'est du gel pour les sourcils. Et là j'ai mes échantillons MAC, je savais pas où les mettre, donc je les ai mis là, ça bloque un peu les mascaras et c'est cool. Dans un premier tiroir, je range. Donc dans mes rangements IKEA, tout ce qui est visage, donc fond de teint, bébé crème, bronzer, poudre compacte, là j'ai ma poudre Guerlain, voilà, qui est top. Donc ma base de teint Agnès B, voilà. Sur le côté j'ai quelques palettes dont je me sers pas trop souvent, donc des palettes Sephora, des palettes Réserve Naturelle, puis là à côté j'ai un masque peeling de chez Pico, je m'en sers pas vraiment, donc il est là, il a une place éternue. Du milieu, donc chez mes autres rangements IKEA, donc coton-tige, coton. Là, j'ai des rouges à lèvres dont je me sers peu ou que j'emporte souvent avec moi dans mon sac. Donc, mes baby lips, souvent dans mon sac. Voilà. Des rouges à lèvres, des soins à lèvres,
que je laisse là. À côté, donc, j'ai des mascaras dont je me sers pratiquement pas. Et au fond, j'ai... Donc, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de zoomer. Je me sers en fait d'un couvercle d'une jolie box que j'ai reçue, donc pour mettre des fards à paupières dont je me sers très peu. Donc voilà, j'ai du picot, de l'Agnès B, réserve naturelle, j'ai des pigments Yves Saint Laurent aussi. Voilà, et dans le trou, puisque pour l'instant je n'ai pas de rangement, je mets mes tailles crayons et mon fixateur de fard à paupières en fait, Kiko. Voilà, dans le tiroir. Alors là, il n'y a pas grand chose. Vous avez des échantillons parfums. Là, j'ai tout ce qui est pour les cheveux. Donc voilà, pour le coiffage, autant pour moi que pour ma fille. Ma crème R&B de Lush. Là j'ai une boîte où je mets mes fossiles et là une petite boîte à bijoux Yves Saint Laurent comme un gentiment dessous. J'ai un panier avec pas mal de produits, donc je vais plutôt vous montrer hein. J'ai mes démaquillants, ma bio oil, mon eau de beauté Caudalie, non, je ne peux pas trop me passer. Des soins pour les cheveux, des crèmes pour le corps, pour les mains. Donc c'est ce qui concerne tout ce qui est ongles, donc avec mes vernis hein. Donc là on a essentiellement du Kiko, mais quelques vernis Opi, donc avec ma base, ma deuxième base. Voilà, mes vernis Opi que j'adore. Ils sont top. Mes dissolvants, mes limes. Donc, dans mon deuxième panier, j'ai du déo, ma laque et des crèmes. Donc, c'est des crèmes surtout pour le corps, pour l'été. Des crèmes bronzantes que j'ai achetées sans faire exprès. J'avais pas vu qu'elles étaient bronzantes. Donc voilà, je les ai là. Je m'en servirai peut-être un jour. Et à côté, donc, j'ai des trousses à maquillage vide. Et derrière, j'ai mes brosses. Voilà. Donc voilà, en bas, comme je vous ai dit, je m'attarde pas. J'ai mes fers à friser, à lisser. J'ai ma lampe à UV pour faire les ongles au gel et donc les box que j'avais reçues quand j'étais abonnée, ma little box, ma jolie box, ma glossy box. Et voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait vite, en même temps faut dire que j'ai pas énormément de maquillage non plus. Je sais que pour certaines ça paraît déjà énorme, mais je vous assure que certaines youtubeuses en ont le double voire le triple voire plus. Il faut savoir que moi ça fait seulement 2 ans que je me suis mis vraiment à aimer et acheter du maquillage. C'est devenu une réelle passion, donc petit à petit je remplis mon stock. J'adore ça, donc j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous plaira, que ça vous fera passer un bon moment. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut les filles!